premièrement, je suis francophone et aussi mon père est français de France. C'est le côté de ma mère qui est métisse. Alors, je me dis pas seulement métisse, mais je me dis franco-métisse, mais aussi pour reconnaître les métisses de l'Est. Mes ancêtres sont algonquins, Micmac, et puis il paraît que j'ai un gène inuit. En grandissant, on ne savait même pas qu'on était du sang mélangé. Mes parents, ma mère, elle vient du nord de l'Ontario. C'est une famille canadienne-française métisse, mélangée. Mais mon père était en français, ils se sont rencontrés à Toronto. Mais ils ont décidé de rester à Toronto parce que c'était déjà difficile de vivre comme francophone en Ontario, à Toronto dans ce temps-là. Alors, en ajoutant que nous avons aussi des liens autochtones, ça serait pas mal impossible. Alors, on ne savait pas en grandissant qu'on était du peuple métis. À travers les années, ma mère, elle faisait des choses comme elle mettait des tresses dans les cheveux pour essayer d'avoir des petits liens. De temps en temps, on se faisait raconter des petites histoires, juste pour au moins en savoir un petit peu, sans nous le faire dire. La question était, est-ce qu'on a du sang métis? Est-ce qu'on a du sang autochtone? Et puis la réponse était oui. Puis après ça, ben ça c'était un nouveau départ. J'ai fait faire mon ADN pour en savoir plus. Et puis c'est incroyable à penser à ce que nos ancêtres ont pu faire pour arriver jusqu'ici, jusqu'à où on est au présent. On entend souvent dire des peuples qui sont évolués dans le passé. C'est quelque chose de très ancêtre. Mais avec les Métis, c'est moderne. C'est une évolution d'un peuple moderne qui est arrivé seulement dans les dernières 500 ans. Alors, on peut voir comment l'humanité s'est créée, s'est reproduite, est devenue ce qu'elle est. Alors, en voyant ce qui se passe avec les métiers, avec l'évolution de la langue, avec l'évolution des arts et la communauté, pouvoir prendre des éléments de deux différentes cultures puis les mélanger tellement bien là, que ça fait quelque chose de nouveau. C'est fascinant, ça, voir l'évolution d'un peuple. Et faire partie de ça, c'est excitant aussi parce que je peux prendre de ce que j'ai appris et en faire quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs raisons pourquoi j'ai un désir de partager la culture. C'est parce que en 8e année, j'étais à l'école en français, francophone catholique à Toronto. Et à ce temps-là, je savais qu'on avait de la parenté qui était de la Six Nations à côté de Bradford. Et puis, quand on avait pris des cours d'histoire, on demandait tout le temps, il y en avait plusieurs entre nous qui demandaient pourquoi est-ce qu'on n'apprend jamais des peuples autochtones? Et le prof a tout simplement dit « parce que c'était des sauvages et ils ne méritent pas de place dans les livres d'histoire. » You have to be careful as to who's doing the talking, because in every culture, there's that crazy man who wants to bend that culture or that religion to do his bidding, the way that he wants to see things done. And that, again, is selfish and greedy. And it's very sad and discomforting in the Creator's eyes, because the man is being greedy of these things that he would like these young people to do. Moi, ça m'a touché, ça m'a vraiment frappé, parce que je sais que j'avais une tante puis des cousins puis des cousines qui sont autochtones. Je savais qu'ils n'étaient pas des sauvages, comme on dit, des sauvages. Alors ça m'a beaucoup frappé, puis ça m'a, c'est resté avec moi toute ma vie, ça, ce commentaire là. Pour vraiment, pour appeler du monde un peuple unique,
sauvage sans savoir, et puis dire ça à toute une classe. Alors, ça, c'est resté avec moi. Mais au cours des années aussi, en apprenant plus à propos de ma famille et puis de mes ancêtres, ben, je sais qu'on n'est pas sauvage. Puis je sais que tous ces gens-là, c'était pas des sauvages non plus. D'abord, les Premières Nations, parce que j'ai été légué, on m'a partagé des chansons et des connaissances de Premières Nations. Ma mère est d'origine métisse du Manitoba. Puis j'ai eu l'honneur et la chance de participer à un spectacle qui s'appelle Cercle Métissé. On est allé en France, puis c'est là où j'ai appris beaucoup, surtout au niveau de la chanson. Puis, puis je trouve que les valeurs, les principes, chez les Premières Nations, c'est quelque chose de très actuel. On pense que c'est des choses qui sont anciennes. Oui, c'est des choses qui sont anciennes, mais c'est des choses qui n'ont pas de temps, comme les sept valeurs, les sept grandes valeurs, les Grandfather Teachings. Je trouve qu'ils sont importants pour tous les peuples, pas juste les peuples. Tu sais, les peuples autochtones ont toujours vécu avec cette notion-là. Puis je pense que les Autochtones de tous les continents ont toujours eu ces valeurs-là de respect, d'amour, de partage. Puis ça me touche beaucoup, ça vient me chercher dans mes valeurs, beaucoup. Fait que je pense que c'est pour ça. Puis moi, je suis un être en constante évolution, fait que je suis toujours en train d'apprendre. Puis je trouve que la culture autochtone, Première Nation, a tellement à nous apporter, puis il y en a toujours plus à apprendre. Un peu plus tard, au cours des années, quand j'ai commencé à faire mes toiles à moi-même, mon art à moi-même, puis les exposer dans des galeries publiques, j'ai trouvé aussi qu'il fallait que je recommence du début à expliquer aux gens qu'est-ce que c'est une personne métisse. Fallait toujours que je mette des pancartes pour expliquer qu'est-ce que c'est une personne métisse. D'où ça vient, les métis. Il n'y a pas personne qui a appris ça à l'école. Alors, quand l'opportunité est venue de venir aux écoles pour expliquer aux enfants, j'ai pris la chance, puis j'ai trouvé qu'ils étaient très réceptifs. C'était pas comme les adultes qui veulent rien savoir, qui pensent aux choses comme les Indiens, ils payent pas leurs taxes, et puis tout. Il n'y avait pas de barrière comme ça à affronter. Fait. Rentrant dans les écoles, on montre les enfants, ils sont ouverts, ils aiment ça, c'est amusant. C'est plus facile. Et puis là, on pourra changer l'histoire du Canada comme ça. Et c'est ça qui est beau avec les enfants. Ils sont curieux, ils sont ouverts, ils veulent savoir. Même quand on leur dit des choses qui sont pas tellement drôles, là, ça leur fait quelque chose. On peut voir que ça rentre. Et puis, ils prennent vraiment ça à cœur. Thank you.
Leur sagesse, je pense que c'est une sagesse qui vient de longtemps passé puis qui est montée à travers des temps. Ils ont vécu des choses horribles. Puis même malgré ça, il y a une paix chez ces gens-là qu'on ne trouve pas ailleurs. Un respect de la nature, un respect d'autrui qu'on a besoin de ramener dans notre monde qui roule trop vite, qui est trop axé sur l'argent, les avoirs. Je pense que c'est là qu'on doit puiser, qu'on doit aller les rejoindre et les respecter, mais aussi les écouter, et surtout les écouter. Parce que c'est des gens, comme j'ai dit, d'une grande sagesse. Les elders, les sages, ils ont vécu des... C'est comme les écoles résidentielles. J'ai rencontré un sage qui avait vécu ça. Puis malgré ça, une paix intérieure, une force, un courage, une sagesse incroyable. On a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Il faut être assez ouvert pour le faire, de un. Il faut rebâtir les ponts avec ces gens-là parce que pendant trop d'années, on a essayé de les blanchir, on a essayé de les faire... des Européens, ils ne sont pas. Ils sont des gens de la terre. Hein? Et on doit apprendre d'eux pour continuer à évoluer. Parce que moi, j'ai peur pour notre futur, pour nos jeunes, pour nos futures générations. Il y a une façon de penser chez les Autochtones qui dit, quand on prend une décision, on pense toujours 7 ans auparavant pour ne pas répéter leurs erreurs et 7 ans en avant pour ne pas que nos jeunes vivent les conséquences de nos erreurs. Je trouve qu'il y a une grande sagesse là-dedans. What I'm thinking is that the native people, we weren't fighting the people. We were fighting the people's greed and their selfishness. We told them not to cut the trees down. They cut the trees down anyway. And the villages that the settlers had built were covered in mudslides and things of that nature. We told them not to put anything into the rivers, and they put things in the non-natives. They put things into the rivers anyway, and soon the river caught fire. And we told them not to put anything, pull anything from the ground without putting something back. They're fracking, and they're taking oil left and right. And it's not good because what does oil do? What does it do for your car? It keeps the engine cool. So all that oil that's in these cars and the oil that's in the ground is there to keep the earth cool. And if you don't have that, we're living on a living, breathing star that's underneath this crust. And if it comes out, we're going to turn into a living, breathing star again. So we really need to take care of our mother, the earth, or we will not be in existence. This is the teachings of the Creator from a long, 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 long time ago when the first four people were placed on this earth. Quand je leur montre la chanson Anikuni, par exemple, nous, quand on était jeunes, on avait appris ça comme une berceuse iroquoise.
Mais c'est pas du tout ça. C'est une lamentation. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, on m'avait dit qu'ils avaient perdu, la langue était perdue. C'est une vieille langue qui avait été perdue. Ça se trouve à être un dialecte ancien, Micmac. Les paroles sont brièvement « père et pitié ». J'ai rien, j'ai tout perdu. J'ai faim, j'ai tout perdu. Alors, l'histoire, après avoir fait des recherches, on a trouvé que c'était à cause de l'influx d'Européens qui sont arrivés et puis ils ont repoussé un peuple de leur place. Et pendant quelques années, ils étaient perdus. Finalement, ils sont arrivés aux Jésuites. Et puis, il a fallu qu'ils leur demandent pour à manger parce qu'ils avaient faim, ils avaient tout perdu. Alors, c'est ça la chanson. La chanson, c'est comme un spirituel, hein, les spirituels noirs. Ça me rappelle du temps quand les esclaves venaient. Ouais. Et puis, ils faisaient leur chanson là, pour essayer de créer la carte du trajet en chanson. C'est important, la musique, la chanson. Je leur apprends la chanson, je leur demande qu'est-ce qu'ils pensent que les mots veulent dire. Et puis après une petite discussion, je leur dis qu'est-ce que ça veut dire, la vraie histoire derrière la chanson. Et puis là, on peut avoir une vraie discussion. Alors, levez-vous. Faites face à l'écran. Quand j'étais jeune, moi, j'ai pas reçu cette sorte d'éducation-là. On n'apprenait pas des peuples autochtones au Canada. Et puis, pour moi, de savoir que les élèves, maintenant, vont le savoir, vont en connaître de plus, ça va promouvoir l'inclusivité. Et en fait, ça va faire que la réconciliation arrive peut-être un petit peu plus vite. Il y a toutes sortes de choses qui doivent sortir avant qu'on puisse guérir. Comme peuple. We're all here to take care of the Creator and His gifts. And this is why it was called the land of plenty, the land of opportunity, because we took so much care of those animals that there was enough there for generations and generations and generations to come. And the Europeans, when they came here, they took out all of the animals, they took out all of the crops to starve the Indian from living. Because they were taking away their livelihood, you take them away, and you have the land and the resources. Very greedy, very selfish, very, very sinful. And to me, sometimes I wonder how people can live like that, to be able to go and do something like that to another group of people. Quand je parle des écoles résidentielles, dans ce que je fais, je peux y toucher, mais seulement brièvement, parce que moi, j'ai pas été dans l'école résidentielle, j'en connais, mais je me suis toujours dit que j'ai pas le droit de parler pour quelqu'un d'autre. Je peux en parler, mais je veux pas parler pour eux. Je pense que les histoires qui sont sorties de tout ça, des gens qui sont toujours vivants, qui sont toujours capables de parler pour eux-mêmes, vraiment, ils méritent de pouvoir parler pour eux-mêmes. Le système de apartheid en Afrique du Sud a été modelé du système de réserve ici, et puis ils sont venus spécifiquement faire des recherches avec notre gouvernement canadien pour emporter ces informations là-bas, pour établir leur système. Il faut rebâtir des ponts vers ces gens-là.
Moi, ce qui m'étonne, justement, c'est le fait qu'ils ont passé des... Tu sais, on les a volé leur culture, leur langue, leur manière, tout. Puis encore, ils sont prêts à nous pardonner. Moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'on prenne notre force puis qu'on bâtisse nos ponts. Si eux, ils sont prêts, nous, faut... Je trouve que dans la société aujourd'hui, qu'on a tendance à vouloir se fermer les yeux puis se bloquer les oreilles quand ça vient des problèmes, comme l'environnement, comme tout ça, au lieu d'y faire face, puis de dealer avec, puis de trouver des solutions. Puis je pense que c'est la même affaire, non seulement avec la planète, mais entre nous, tous les différents peuples, les Autochtones, comme les musulmans, comme toutes les différentes cultures et couleurs, et peu importe, on est des humains à la base. Apprenons à se connaître. Puis de mettre en évidence, oui, on a fait des erreurs, mais trouvons des solutions, puis travaillons ensemble pour un futur qui va être meilleur pour ces jeunes-là. Puis eux, ils vont apprendre de nous. Moi, je pense que notre rôle comme adulte, c'est justement de préparer le changement, de les aider à faire le changement. Puis il y a de l'ouvrage à faire, mais moi, j'ai toujours été un gars d'espoir. Puis je pense que ça se dégage, puis j'amène... Oui, il faut regarder le côté négatif, mais de l'autre côté, il faut arriver avec des façons proactives pour changer les choses. Alors, chaque matin, les étudiants vont entendre au Canada. Parfois, c'est entièrement en anglais, parfois, c'est en français, parfois, c'est une version bilingue. On change tout le temps. Les versions qu'ils vont entendre. Parfois, c'est entièrement de la musique, parfois, c'est des voix. Et depuis cette année, après, au Canada, ils vont aussi faire la lecture of the Land Acknowledgement Act pour donner aux étudiants la connaissance du fait que les terrains, la terre de Hamilton était auparavant une terre qui appartenait aux indigènes. Et je pense que c'est excellent qu'ils soient au courant du fait qu'il y a une histoire là où ils habitent et qu'ils savent que ça remonte peut-être un peu plus loin qu'on avait dit auparavant dans les textes scolaires. Et donc les étudiants sont maintenant au courant de leur histoire, l'histoire de Hamilton. Growing up, when I was going to school, we heard "O Canada" every morning. We did not hear the Land Acknowledgement Act, and I was unaware that Hamilton had that connection. I knew Canada had a connection to First Nations, but I wasn't aware of the connection that happened right in my own city. I wasn't aware that the Six Nations, Mohawk and Anishinaabe, lived in Hamilton. So it's been a discovery for me, along with my students. Even at the board, they start all meetings with admin and teachers with the Land Acknowledgement Act. J'ai étudié les études natives, on dit, à McGill University. J'ai fait mes études quand j'ai fait ma maîtrise en éducation. Alors, je ne veux pas dire que je suis un expert, mais je suis éduquée dans le sujet. Et l'année passée, on a fait une unité intégrée avec anglais où les enfants ont lu un livre Indian Horse. C'était un livre incroyable, je l'ai lu. Puis, en plus, on a invité un chef d'une tribu qui vient d'ici, qui a béni un arbre. On a planté un arbre dans le ravin. Puis, il est venu avec les enfants, il a béni l'arbre. Et il y avait comme une cérémonie. Et c'était vraiment une unité très spéciale, parce que les enfants ont créé un arbre, j'ai enseigné comment dessiner un arbre. On a visité une école résidentielle et les enfants ont lu le livre. Alors, c'était incroyable, c'était une expérience incroyable pour les enfants. C'était un petit peu difficile parce que les enfants avaient 11 ans. Pour certains enfants, c'était la première fois quand ils ont entendu ces tristesses. Et
Oui, c'était difficile pour moi à voir les réactions des élèves, mais c'est important qu'ils comprennent que c'est une partie de notre histoire. Il y a une richesse, il y a tellement de richesse avec tous ces peuples-là, de la diversité, qui mérite d'être dans les livres d'histoire. Et puis là, on pourra changer l'histoire du Canada comme ça.